Bonjour chers apprenants, je suis M. Aristide Lebongui, professeur de philosophie. Ce matin, nous allons voyager avec vous et nous parlerons de la logique et de la connaissance. Alors, plus précisément, nous allons étudier avec vous ce matin la logique formelle avec comme auteur Aristote. Alors, chers apprenants, avant de commencer la séance de ce matin, j'aimerais d'abord qu'ensemble, nous nous fixons un objectif. Alors, voici donc cet objectif. À la fin de la séance portant sur la logique formelle, l'élève de la terminale. Toute série confondue doit être capable d'expliquer tous les deux aspects de la logique formelle à partir des connaissances acquises. Cela dit, chers apprenants, il serait pour nous illégitime de parler directement de la logique formelle sans pourtant faire une petite rétrospective, c'est-à-dire revenir en arrière pour récapituler ce que nous avons étudié pendant le cours antérieur. Alors, chers apprenants, le cours passé a été porte sur le fonctionnement du discours logique. Et parlant de ce fonctionnement, nous avons dit que le discours logique fonctionne à base de trois éléments fondamentaux, à savoir le concept, le jugement et le raisonnement. concept jugement et enfin raisonnement l'expression verbale du concept c'est le terme et lorsque nous parlons on le place du jugement nous utilisons la proposition. Enfin, l'expression verbale du raisonnement, c'est l'argument. Voilà. Sans ces trois éléments, on ne peut pas constituer un discours logique. Alors, nous avons également dit que le fonctionnement du discours logique obéit à deux démarches. Il y a la démarche formelle et la démarche dialectique. Mais ce matin, comme nous venons de le dire, nous allons étudier... La démarche formelle, ce que nous avons appelé la logique formelle. Bien, Pour enlever les écrits. En signant le contrat, chers apprenants, nous avons dit que la logique formelle présente deux aspects. Deux aspects. Voici les deux aspects. Le premier, il s'agit de sa définition. Et le deuxième aspect de la logique formelle que nous allons étudier tout à l'heure, ce sont ses principes. Voilà. Donc, à la ligne, petit a, définition de la logique formelle. Bien, avant de définir cette logique, chers apprenants, nous voulons rappeler que l'initiateur de la logique formelle, c'est Aristote. Mais c'est qui Aristote C'est un philosophe empiriste grec du IVe siècle avant Jésus-Christ cest à il est né en 322 à Stagir et mort, j'allais dire, il est né en 384 à Stagir et mort en 322 à Calcis en début. Alors, ses travaux sur la logique se trouvent dans son ouvrage intitulé Organum, qui signifie... En français, outil. Organon. Mais en passant, chers apprenants, il faut retenir qu'Aristote n'a pas inventé le mot logique. De son vivant, il parlait de la syllogistique et de l'analytique. Le mot logique est né au IIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire un siècle après sa mort chez les Stoïciens. Mais ce sont ses successeurs qui vont qualifier ses travaux de logique. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle logique, mais de la logique formelle. Finalement, Qu'est-ce que la logique formelle Bien. Comme indique le groupe nominal, la logique formelle désigne la science de l'accord de la pensée avec elle-même. Science. de l'accord de la pensée avec elle-même. La science de l'accord de la pensée avec elle-même. Autrement dit, la logique formelle étudie les règles théoriques ou formelle du raisonnement correct. Ce qui intéresse le logiciel ici, chez les apprenants, c'est seulement la forme, la cohérence ou la rigueur du discours et non son contenu. Dans un raisonnement, il y a deux aspects. Il y a la forme et le contenu. L'aspect syntaxique, et l'aspect sémantique. Mais lorsque nous parlons de la logique formelle, nous nous limitons au niveau de la forme, c'est-à-dire de l'harmonie ou de la cohérence entre les propositions. On ne tient pas compte de la chose dont on parle, c'est-à-dire la réalité exprimée dans le discours. Alors, la logique formelle, dans son déploiement, examine le raisonnement déductif. Et le modèle ici en est le syllogisme. Le syllogisme. Donc la logique formelle pour dire la vérité s'appuie sur un type de raisonnement déductif que l'on appelle le syllogisme. Alors c'est quoi le syllogisme Voici la réponse que nous proposons à Aristote dans son ouvrage intitulé Les réfutations sophistiques. Le syllogisme est un raisonnement dans lequel, certaines prémisses étant posées, une conclusion autre que ce qui a été posé en découle nécessairement par le moyen des prémisses posées. Alors, vous notez Le syllogisme. est un raisonnement un raisonnement dans lequel certaines prémices étant posées Certaines prémisses étant posées, une conclusion autre que ce qui a été posé en découle nécessairement. que ce qui a été posé en découle nécessairement. On découle nécessairement par le moyen des prémices posées bien. La pensée est tirée des réfutations sophistiques. C'est la traduction de Jean Tricot, édition Vrain, à la page 14. Réfutation sophistique. Voilà. Bon, à l'université, on dira la traduction. Donc, le document a été traduit par Jean Tricot, publié aux éditions Vrain. Donc euh, à Paris en 2007, voyez en 2007 et plus précisément la page 14. Voilà, nous allons seulement mettre la page la page 14. Bien, revenons sur revenons sur la définition du syllogisme. On va d'abord relire. Le syllogisme est un raisonnement dans lequel, certaines prémisses étant posées, une conclusion autre que ce qui a été posé en découle nécessairement par le moyen des prémisses posées. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? D'un côté, il y a le mot prémisse. Et de l'autre, conclusion. Les prémices, ici, ce sont des éléments premiers qui permettent d'aboutir à la conclusion. Et les prémices existent sous forme de propositions. Donc, au départ, il y a des propositions qui sont annoncées, mais qui finissent par nous conduire à une... Conclusion. En ce moment-là, le syllogisme se comprend en termes clairs comme une suite logique de trois propositions dont les deux premières sont appelées les prémices et la dernière, la conclusion qui découle nécessairement, qui ressort nécessairement de l'accord entre les deux prémices. Donc, la conclusion ici ne vient pas du néant. La conclusion vient des deux prémices. Alors, si il n'y a pas de prémisse, on ne peut pas aboutir à une conclusion. C'est pour autant dire que la conclusion tire son existence de la relation qui existe entre les deux prémices. Bien. Nous allons prendre un exemple pour expliquer ce que c'est que le syllogisme, tout en tenant compte de la définition de la logique formelle. J'espère que vous avez fini de noter cette définition. Nous allons libérer cet espace pour prendre un exemple. Exemple. Tous les Africains sont noirs. or oh, tout algérien est africain bon. tous les tous les algériens tous les africains sont noirs or oh. Tous les Algériens sont africains. Tous les Algériens sont noirs. Voilà. Tous les Africains sont noirs. Or, tous les Algériens sont africains. Donc, tous les Algériens sont noirs. Et c'est un syllogisme. Et il y a combien de propositions Trois propositions. Nous avons dit que les deux premières sont des prémices. Et la dernière, c'est-à-dire la troisième proposition, est la conclusion. Alors, regardez. Donc, les propositions. Tous les Africains sont noirs et tous les Algériens sont africains. Ce sont des prémices. Et il y a deux types de prémices. Il y a la prémisse majeure et la prémisse mineure. Et la première prémisse ici, c'est la majeure. Et la deuxième prémisse, la mineure. Alors, quelle est la différence entre la prémisse majeure et la prémisse mineure La prémisse majeure, c'est celle qui a plus d'extension. Au niveau de la prémisse mineure, il y a moins d'extension. S'il faut faire des diagrammes, vous constaterez que la prémisse mineure se trouve être dans la prémisse majeure. Alors, l'union sacrée, la relation intrinsèque entre ces deux prémisses, ces deux premières propositions donnent naissance à la troisième proposition, qui n'est autre que la conclusion. Voilà pourquoi nous avons dit que la conclusion résulte nécessairement de l'accord des deux prémices. Alors, comment fonctionne le syllogisme Donc, ici, la troisième proposition met en conclusion. Voilà. Pour marquer là. Différence. Alors, comment fonctionne le syllogisme? Le syllogisme fonctionne à base de trois termes. Il y a le grand terme, le moyen terme et le petit terme. Alors, le grand terme ici, c'est le terme qui a plus d'extension, c'est-à-dire plus d'être. Quels sont d'abord ces termes? Nous allons les identifier. Nous avons africain. Oui. africains, nous avons noirs, et enfin algériens. Parmi ces trois termes, qu'est-ce qui a plus d'extension ou plus d'être? C'est le terme noir. Oui. Noir. On peut schématiser, ça c'est la classe de noir. Il n'y a pas que les africains qui sont noirs. Il y a des Noirs européens, il y a des Noirs américains, il y a des Noirs ainsi de suite. Bien, le terme qui occupe plus d'êtres, c'est Noir. Mais dans la classe de Noir, nous avons les Africains. Et dans la classe des Africains, nous avons les Algériens. Donc, noir ici, c'est le grand. Le grand terme. Et le moyen terme, nous avons l'Africain. Et le petit herman algérien. Donc, dans la classe de noirs, parmi les noirs, il y a les africains. Donc, africains par rapport à noirs n'est qu'une portion, une partie. Et lorsque nous citons les africains, il y a les Congolais, il y a les Sénégalais, les Tunisiens, les Algériens, les Angolais, ainsi de suite. Donc, les Algériens ne constituent qu'une partie des Africains. Voilà pourquoi la classe des Algériens est incluse dans la classe des Africains. Bref, le terme qui a plus, qui a moins d'être ici, c'est Algérien. Voilà pourquoi on l'appelle petit terme. Mais, par rapport aux Algériens et aux Noirs, il y a un terme moyen. C'est-à-dire, le nombre d'êtres est supérieur à celui des Algériens et inférieur à celui des Noirs. Il s'agit de la classe des Africains. Et là où les êtres dépassent en même temps les Algériens et les Africains, ce sont des... Noir. Voilà pourquoi noir est considéré comme un grand terme. Bien. Chers apprenants, pour récapituler, la logique formelle, c'est une science qui étudie l'accord de la pensée avec elle-même, sans tenir compte de la réalité dont elle exprime. Dans son fonctionnement, la logique formelle utilise la déduction dont le modèle ici n'est que le syllogisme, qui est un raisonnement composé de trois propositions dont les deux premières sont des prémices et la dernière en est la conclusion qui résulte de la relation intrinsèque entre les deux prémices. Et dans un syllogisme, il y a trois termes. Le grand terme, le moyen terme et le petit terme. Alors, chers apprenants, s'il faut revenir sur la définition de la logique formelle, nous avons dit que cette logique néglige quoi Le contenu. Mais regardez bien l'harmonie entre, entre les propositions, cette cohérence, cette rigueur. Alors, si tous les Africains sont noirs. Étant donné que les Algériens sont des Africains, mais automatiquement les Algériens sont des Noirs, voyez. Du point de vue de la forme, le raisonnement est correct. Le raisonnement traduit la vérité. Mais lorsque nous nous tenons compte de la chose dont on parle, c'est-à-dire la réalité, autrement dit la couleur de la peau des Algériens, chers apprenants, vous allez constater que le raisonnement n'est pas vrai. Il est faux. Pourquoi? Parce que les Algériens, bien qu'ils sont des Africains, mais ils ne sont pas des Noirs. Donc, du point de vue contenu, le raisonnement n'est pas valide. Mais ici, nous n'avons pas besoin de ce contenu pour dire la vérité. La forme est tellement suffisante pour que le raisonnement soit valide. Bien. Au départ, nous avons dit que la séance a deux moments. Autrement dit, la logique formelle a deux aspects. Nous avons fini avec l'aspect définitionnel et nous allons prendre le deuxième aspect. Petit b. Principe de la logique formelle. Principes de la logique formelle. Bien, chers apprenants, j'espère que vous avez fini de noter l'exemple. Nous allons libérer cette partie du tableau pour expliquer les principes de la logique formelle. D'abord, ce quoi Un principe. Ce quoi Un principe. À ce niveau, le principe ou un principe est une règle, une loi qui permet de déterminer quelque chose. Alors, s'il faut parler de la logique formelle, les principes de la logique formelle ici, ce sont des lois de la logique formelle. Les règles à travers lesquelles la logique fonctionne, non, la logique formelle fonctionne. Alors, Aristote pose trois principes, entendus comme la condition générale, la condition sine qua non de tout raisonnement correct. Donc, si vous voulez, Formuler un raisonnement pour qu'il soit valide, il faut absolument respecter les trois principes, à savoir l'identité. À côté de l'identité, nous avons la non-contradiction. non contradiction et enfin le tiers exclu voilà alors principe on met en parenthèse trois et pour dire qu'ils sont nombre de trois l'identité la non contradiction et le tiers exclu alors c'est quoi le principe de l'identité commençons par l'identité donc astéris l'identité C'est le principe selon lequel tout être est identique à lui-même. Tout être est identique à lui-même. Voilà. Les choses ne peuvent changer en leur contraire. Sa formule symbolique est A égale à A. L'être est, le non-être n'est pas. Pour revenir sur ce que vous avez étudié en classe 2, seconde. Parce que Aristote, pour Fonder ses principes, il est parti de la conception ontologique, j'allais dire de la conception de l'être chez Parménide. Et rappelez-vous de cet aphorisme parménidien l'être est, le non-être n'est pas. Voilà. Après le principe de l'identité, nous avons le principe de la non-contradiction. Alors, ce principe stipule que deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies ou fausses simultanément. Deux propositions contradictoires. Donc, deux énoncés, deux propositions contradictoires. ne peuvent être, deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies ou fausses simultanément. Simultanément. C'est-à-dire en même temps. Voilà. Deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies ou fausses en même temps. Soit l'être est le non-être n'est pas, soit le non-être est et l'être n'est pas. Sa formule symbolique est A différent de non A. Différent de non A. Alors, chers apprenants, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que l'affirmation et la négation constituent les deux qualités d'une proposition logique. Et le vrai ainsi que le faux constitue les deux valeurs d'un raisonnement logique. Si le discours n'est pas vrai, donc il traduit le faux. Et donc, A. Et entre A et non A, il y a quoi? La contradiction, l'opposition. Voilà pourquoi, Aristote dit, A est différent de non A. Si A est vrai, automatiquement, non A, la proposition non A doit être fausse. Et si la proposition non A est vraie, la proposition A sera automatiquement fausse. Donc, les deux ne peuvent pas être vraies ou fausses en même temps. Bien. Le principe de la non-contradiction aboutit à quoi Il Débouche sur le principe du tiers exclu. Alors, tiers exclu. Quand nous parlons du tiers, nous voyons quel chiffre C'est le chiffre 3 exclu vient du verbe exclure qui veut dire écarter disqualifier supprimer donc ici la troisième proposition est écartée alors que dit ce principe le principe du tiers exclu stipule que de deux propositions contradictoires. Si l'une est vraie, l'autre doit être impérativement force, sans pourtant qu'il y ait de troisième solution possible. La troisième possibilité est écartée, d'où le nom de ce principe. Donc, entre le vrai et le faux, il n'y a pas une autre possibilité. Soit le discours traduit la vérité, soit il traduit la fausseté. Donc il ne peut pas être en même temps vrai et faux. Donc nous ne pouvons pas avoir un discours dans lequel l'être et le non-être sont vrais ou faux ensemble. Non, c'est une impossibilité logique. Là. Deux propositions contradictoires. J'allais dire de deux propositions contradictoires. De deux propositions contradictoires. Si l'une est vraie l'autre doit être nécessairement nécessairement fausse et inversement Sans qu'il y ait de troisième solution, voilà. Sans qu'il y ait de troisième solution possible. Et sa formule symbolique est. A ou non A, et c'est ce que nous avons l'habitude de dire. C'est ce que nous avons l'habitude de dire, communément nous disons ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc la peu près n'existe pas. La peu près ici c'est quoi C'est la troisième possibilité. C'est la troisième possibilité. Ce que Aristote appelle par la proposition intermédiaire. Non, il n'y a pas de proposition intermédiaire entre deux propositions contradictoires. Non. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou bien vous dites la vérité, ou bien vous dites la fausseté. On ne peut pas tenir un discours qui soit vrai et faux ensemble. Non. C'est comme ce que nous avons l'habitude de dire une fois de plus. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Non. Pour illustrer ce troisième principe, Aristote écrit dans la métaphysique. Alors, rapidement, je vais lire. Voici ce que Aristote dit dans la métaphysique. Je mets d'abord le titre au tableau. La métaphysique. Bien, la traduction que nous avons de Jean Mantello, bon, le livre 3, la page 47. Voici ce qui est écrit. Alors, suivez attentivement la pensée. Il est impossible que le même prédicat appartienne et n'appartiennent pas en même temps à la même chose et sous le même rapport. Je réponds. Il est impossible que le même prédicat appartienne et n'appartienne pas en même temps à la même chose et sous le même rapport. Pour être plus explicite, voici ce que Aristote lui-même dit. Il est en fait impossible à quiconque de croire que le même à la fois est et n'est pas. Il est en fait impossible à quiconque de croire que le même à la fois est et n'est pas. Alors, s'il faut prendre l'exemple dans la vie courante, on peut dire, pour une même question, il est impossible que l'on dise la vérité et le faux en même temps. Non, soit ce que vous avez dit est vrai, soit ce que vous avez dit est faux. Les deux. Donc la vérité et la fausseté ne peuvent jamais cheminer ensemble. Quand les deux sont ensemble, il y a contradiction. Oh, la contradiction traduit quoi L'incertitude. La contradiction évoque quoi Le doute. Pourtant, nous ne pouvons pas dire la vérité quand il y a l'incertitude. Déjà, la, défi la vérité se conçoit comme la certitude. Donc, l'incertitude nous éloigne de quoi nous éloignons de la vérité. Alors, c'est pour dire que Aristote rejette la contradiction. Un discours qui s'oppose, un discours qui épouse des contradictions est absolument faux. Le discours n'est vrai que dans la mesure où il est identique à lui-même. Alors, finalement, lorsque nous parlons du tiers exclu, vous avez l'habitude de traiter vos sujets de dissertation. Au niveau de la discussion, nous avons parfois trois moments. Je dis bien parfois, ce n'est pas forcément trois moments. Il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse et l'antithèse, s'il faut rester dans la logique d'Aristote, nous pouvons dire que ce sont des énoncés contradictoires. Mais lorsque nous dépassons l'antithèse, nous tombons dans un troisième moment que nous appelons la synthèse. Et nous disons qu'au niveau de la synthèse, on concilie la thèse et l'antithèse. On prend ces deux énoncés qui étaient au départ contradictoires, on les met... Ensemble. Et nous avons la troisième possibilité. Mais Aristote nous dit non. Cette troisième possibilité n'existe pas. Donc, si vous respectez, vous restez dans la logique d'Aristote, lorsque vous allez traiter vos sujets de dissertation, je vous en prie, chers apprenants, il n'y aura que deux moments. La thèse et l'antithèse. Pas de synthèse. La synthèse évoque quoi? La contradiction. Or, la contradiction ici est synonyme de fausseté. La contradiction nous éloigne de quoi? De la rigueur et de la cohérence. Or, un discours qui n'est ni rigoureux ni cohérent ne peut pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que ce discours va au-delà de l'identité. Donc, un discours vrai, est un discours qui est identique à lui-même. Bien. Chers apprenants, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les principes de la logique formelle Ils sont au nombre de trois. L'identité, la non-contradiction et le tiers exclu. Et ces trois principes excluent L'opposition exclut la contradiction. Et pour terminer, sur quoi apporter notre cours, chers apprenants? Rapidement, la séance de ce matin apporte sur la logique formelle. Et nous avons distingué deux moments dans l'étude de la logique formelle. Pour un premier temps, nous avons défini la logique formelle comme étant cette science qui étudie l'accord de la pensée avec elle-même. Et dans un deuxième moment, nous avons parlé des principes de la logique formelle, qui selon Aristote, ce sont les trois principes nécessaires dans l'élaboration du discours, à savoir l'identité, la non-contradiction et le tiers exclu. Alors, prochainement, chez les apprenants, nous allons étudier l'autre démarche du fonctionnement de la logique. Il s'agit de la logique dialectique. Alors, vous notez, petit 3, la logique en dialectique. Et ici, nous allons étudier deux auteurs, à savoir Hegel et son disciple Karl Marx. Mais avant de nous séparer, nous allons lier l'utile à l'agréable. Voici un sujet de réflexion. Sujet Le discours logique. Disqualifie-t-il voilà, disqualifie la contradiction? Le discours logique disqualifie-t-il? la contradiction. Bien, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre voyage philosophique. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit la semaine prochaine pour parler de la logique dialectique chez Hegel et chez son disciple Carlo Max. Au revoir.